non, ça bouge. Bah oui, ça bouge, ils sont vivants, donc... Lomar vivant. On les entend. Sans que ça va me plaire. Bon, je vous laisse faire, je vous regarde. Hein. D'accord. On va utiliser du homard canadien pour faire les rolls. Moi, quand je vais chez mon poissonnier, que je veux choisir un beau homard, comment je dois faire? Alors, c'est important d'inspecter le homard, de regarder déjà si la queue est bien dense et bien dure. Ensuite, il faut que le homard soit bien frais, bien éveillé et qu'il ait passé peu de temps en vivier. Comment je peux savoir, moi, qu'il a passé beaucoup de temps dans un vivier? Le truc, c'est souvent de regarder les antennes. Il faut qu'elles soient intactes. Souvent, les homards qui ont passé beaucoup de temps en vivier, ils ont les antennes qui ont été coupées. Alors là, on le met tête la première dans une eau vraiment très très bouillante. Ouais. Voilà. Et comme ça, il ne souffre pas. Au niveau de la cuisson, c'est une minute par 100 grammes. Ça dépend vraiment de la taille du homard. Oui, c'est très rapide. Ça va être compliqué à décortiquer, ça, non? Alors, il faut faire attention. On sépare la tête de la queue. Et ça, là, les petites pinces, là, non, on s'en occupe pas. Non, on s'en occupe pas. Trop compliqué. Ah ouais, là, c'est trop compliqué. Moi, c'est les pinces. Je sais jamais comment faire. Il suffit de donner un petit coup sur le dessus de la pince, le dos du couteau. On fait juste une petite encoche et ensuite, on va pouvoir l'ouvrir très facilement. On utilise les têtes de homard et les pattes pour faire de l'huile de homard maison. L'huile de homard? Ouais, tout à fait. Ah, je savais même pas que ça existait, ça. Ah, et c'est super, super.